contrer la Ibuki du démon. Venu de l'Est parisien. Et c'est parti, grande finale! Donc on rappelle que la Team Konsu doit faire le reset de Braguette s'ils veulent réussir à gagner ce ranking. Donc ils doivent gagner 2 sets. Et l'entière bien trouvé, pas le follow-up, mais c'est pas grave. Boum boum, la chope. Ah, bien, whiff punish de la part de Samy qui sait ce qu'il fait quand même, hein, cet homme-là, il sait faire ça. Boum boum boum, oh le dragon, tu sautes pas, tu t'es pris pour qui? Et pour qui? Bien trouvé ça. Petit avantage pour Poki quand même pour l'instant, l'énergie, même s'il est très ténu et que maintenant il est perdu. Samy, il a l'avantage, on va dire, du mind game pour l'instant. Ses coups passent plus souvent que ceux de Poki et il tente la super. Elle est pas full pari, elle gratte pas mal. Et la super qui malheureusement n'a pas trouvé preneur et a été punie. Première round, Samy. Allez, Poki, on y croit, vainqueur du dernier ranking, on le rappelle. Était-ce une erreur, Poki? Bulba indique que t'as gagné parce que t'as chaté. Prouve que Bulba se trompe. Voilà, la chope, s'est mis dans le coin. Le pressing, mais malheureusement, il s'en sort et c'est au tour de Poki de se faire compresser. Mais le coup en YX qui permet de revenir en neutral au centre et les barres de stun qui sont quand même bien chargées. Et les barres de vie. Oh là là! Ça fait mal le stomp. Et là, il y a une interaction chelou. Ouais, Poki fait ouais. There you go. Et ça va partir. Samy, il faut se laver de ce guac. Il a déjà mis Poki dans le coin en 8 secondes de jeu. Et les barres de stun. Oh là là, avec Ibuki, ça monte à vite. Hein. Et Alex, là, qui a plus qu'un quart de barre, même moins que ça. La pilule est encore possible. Le full pari est... Non. La longue pilule pour le pauvre Puki. Et donc Zouer qui a tout le travail à faire. Bon, il m'a dit avant de s'installer que s'il perd contre Oro, il prend sa retraite. Hein, c'est pour dire la confiance qu'il met dans son jeu. Face au petit guacker de Noël. Petit guac à Noël, oui, effectivement. Il te met du guacamole dans la chaussette de la cheminée. Et je vais prendre un granola en scred. Et je vais le mâcher dans le micro. Et c'est parti! Pour l'instant, Oro qui prend l'avantage sur Ryu avec un petit entière, un petit mix-up, mais qui se retrouve dans le coin. Et Zouar qui va pouvoir dérouler son jeu. Un Zouar, il sait faire des paris, tout ça. Et si Oro est trop prévisible, il va se faire bouffer Sama. La Oro, la gazelle.pro Oro. Mais Zouar, lui, se laisse pas intimider. Ah, le Tatsu là, mal trouvé. Et il se remet dans le coin. Ah, là, c'était pour un pif de stomp, hein, qui était prévu. Et qui, contre toute attente, n'a pas eu lieu. Je pense que même Oro était surpris. Oh, le mind game U. Zouzou, il le connaît. Et lui aussi, il peut briller s'il veut. Allez, premier round sans grande difficulté pour Zouzou. Oro, il faut se réveiller. Ah, Zouer, il a le réflexe. Bon, pour l'instant, il bourre la garde, Oro, mais pas assez pour lui permettre de se tirer de ce mauvais pas. Il s'est pris le deuxième mid overhead debout, c'est quand même chelou. Voilà, ça a très bien puni. Allez, Zouer, là, qui se sent pas en énorme difficulté. Il sait que, bon, il a sa barre, il va tenter l'escroquerie. Il reste prudent, il déroule son jeu, ça devrait bien se passer. À moins que... Oh! Bon, c'était pas trop grave parce que la barre était cramée pour pas grand chose finalement. Ah oui, le deuxième hit du dragon EX, pas pari. Petite punition chop, malheureusement un petit erreur de timing de la part de Zouzou, il se prend un chop, mais ça devrait quand même bien se passer pour lui. Voilà, il entière, c'est bien. Donc Zouzou ne prendra pas sa retraite ce soir. Et Oro, il retourne donc au pôle Nord.
au Paul Gouac. Ah, je sais pas. Pour l'instant, j'ai pas vu Samy vraiment inquiété. Ça sent pas le reset. Azouer de Fermentière. Et c'est parti. Est-ce qu'on va enfin pouvoir changer de jeu ou est-ce qu'on va refaire le match? L'overhead pas gardé, double hit, c'est la chop. Un peu trop tôt, ce qui permet à Zouer de lui faire double chop et de coincer dans le coin Ibuki. Trois chops. Trois chops, ça fait un tiers de barre. Là, il s'est bien dégagé du coin, il a vu l'ouverture Zouer. Bien vu. On repart en jeu neutral. Bien décidé à pas se faire manger la tête par cet Ibuki. Voilà, bien vu la boule qui a repêché la descente de Kunai. Zouer qui a un bon avantage là. Mais attention, il s'agit de... C'est Ibuki, hein. Deux mix-up et c'est terminé. Et celui-là, il était plutôt joli. On change deux fois de côté. L'overhead bien gardé. Attention, en difficulté. Zouer, le tas dessus. Oh là 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 là. Belle feinte. C'était et feinte et des paris bas au cas où. Et personne n'osait appuyer un bouton. Première round, Zuzu. Donc on est en route vers le reset de Braguette, effectivement. Zouer va me faire mentir. Ibuki dans le coin. Ah, ils ont échangé de place. C'est un peu froid là, tout ça, ce qui se passe. Ça s'esquive beaucoup. Zouer, il se prend des coups là. Ça se passe pas aussi bien qu'il le voudrait. Ah, Ibuki qui a raté son setup, qui a tapé le K un petit peu trop tôt, j'ai l'impression, pour que le cross-up se fasse. Quand même, avantage Zuzu dans ce match, qui crame bien ses barres dans ZDX plutôt que d'essayer de garder le DG. Là qui va. Ah, oh, il a challenge la super, il aurait peut-être pas dû. Le verre bien trouvé, c'est putain de chaud. C'est quand même putain de chaud. Mais bien la garde, le dash. Oh là 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 là. Et ça reset. Alors là, je sais pas s'il refait un Shifumi ou quoi. S'il change de position, qu'est-ce qui se passe? Parce que la stratégie Zeus qui s'occupe d'Oro semble avoir payé. Ils refont Shifumi. La team qu'on se fout le regagne. Et on reprend la même stratégie qu'au premier tour. Cette fois Poki va essayer de faire autre chose que le Punching Ball. Le Punching Ball. Le Punching Ball, ouais. Ah ouais, parce que Poki vote FN, hein, il faut le savoir. Il faut le savoir. Il en a marre des Arabes en France. Allez, c'est parti, on enchaîne direct. Grande finale, dernier tour ce coup-ci. Poki dans le coin. Attention, les mix-up de l'Ibuki vont commencer. Voilà, un petit décalage peut-être dans le setup. Mais Ibuki arrive quand même à capitaliser dessus là. Poki qui trouve pas les solutions. Qui prend à chaque fois les mauvaises décisions. Face à ce vortex parisien. L'anti a bien trouvé. Les mix-up, c'est bien gardé. Et la chop. Ça pif. Malheureusement pour pas grand chose, ça valait peut-être pas le coup d'une barre. Mais le tataratata. Non. Pas le tataratata. Et c'est le Soraya Kunai qui remporte ce premier round. Avantage Samy. Ouverture d'un round bien couillu de Poki, mais malheureusement dans le vide. Il se retrouve dans le coin, c'est les mix-up. Attention, ça gratouille. Oh là là, c'est bien paré, c'est le stun. Et boum boum boum. Et la pilule. Malheureusement, Puki, vainqueur du dernier ranking, je le rappelle, qui s'est pris 3 pilules. Mais c'est le jeu qui le veut. Des fois, c'est comme ça. C'est peut-être aussi de méconnaissance du match-up, je sais pas. Je sais pas à quel point Puki connaît le match-up Ibuki. On n'en voit pas beaucoup, en tout cas ici à Rennes. La seule qu'on ait vue, c'est celle de Zouz qui troll. Quoi, t'es Ibuki toi? Non, je voulais pas dire ton nom. Elle est Oro qui va essayer de varier ses mind games dégueulasses. Ses mélanges dégueulasses. Mais par contre, il a déjà perdu un quart de barre et se retrouve dans le coin. La Zouer qui dit non, ta gueule.
T'es un sac, n'oublie pas, je prends ma retraite, j'ai pas envie de la prendre. Oh là là, il se fait dérouler là, l'euro. Oh là, on dirait Mario Kart. Oh là là, la pilule. Voilà. Voilà, le mec, on a dit, attends quoi, tu mets une pilule à mon pote, moi j'en mets une au tien, voilà, qu'est-ce qu'il y a, hein, Taras. Un joueur est un peu agressif, Zouer. Et voilà, ça confirme les chombos. Et ouais, ça enlève de la barre, ça. Hein. Boum, boum. Là, Oro aux fraises, hein. Il en est réduit à taunté pour rien. Hein, il fait taunté tout rien. Il en est là. On sait, il va essayer de placer sa super, hein, c'est avant de mourir, peut-être. Plus personne ne believe en Oro pour cette rencontre. Allez, fais là ta super, voilà. Mais Zouer savait, Oro savait que Zouer savait. Ah ouais, ça, et ça... Voilà. Bon, je pense que Samy savait tout, hein. On peut arrêter là. Quoi que tu fasses, il le savait déjà. Ah, Bourvin, lui, pensait que c'était Poki qui jouait, donc il était à la ramasse. Ah non, Bourvin, il comprend rien. Non, c'est horrible. Eh, bien vu, hein. C'est quoi, là? C'est final loser? Bon, allez. Dernier match. Dernier match. 3-3. Ils en sont un partout pour l'instant, les deux énergumènes. Les joueurs qui partout. Ils voient tout, cet homme. Il est rentré dans la Twilight Zone. Mais Samy qui ne se laisse pas décontenancer. Le kunai décalé, c'était beau gosse. Voilà, ça sait faire des paris à Paris. Voilà, bien vu la chose. Ah, devant et devant. Les joueurs ne s'est pas laissé avoir ce coup-ci. Oh là là, bien vu, et ça va prendre la garde, non, ça prend dans la garde, mais ça gratouille tellement que là il est en difficulté, le Zouz. Parce qu'il n'a pas vraiment de comeback sur sa super. C'est les fondamentaux, et Samy qui a tournament point. Le joueur qui trouve la chope, qui reste prudent quand même. Petit à petit, pousse. Il essaie de pousser Ibuki dans le coin, mais il se prend des chopes à l'infini. Mais à la quatrième, il a déchopé quand même, parce que pas 4 fois de suite, hein, faut pas déconner. Et le mix-up d'Ibuki, il a bien vu, mais oh là là, il est bien passé sous la boule. Il a réussi à se... Oh, le stun est pas loin, mais il va gratouiller. Et ça gratouille. Oh là 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 là. Là, Zouer, en plus, il le tue en déverrouillant le succès. Ah, rien à dire. Il a fait 28 glissades par round, me glisse-t-on à l'oreillette.